Bonjour, nous sommes au Brésil, je parle portugais du Brésil, dit le premier pas. Alors aujourd'hui, on peut poser la question, c'est le titre de cette vidéo, c'est comment dire en portugais. Le pronom personnel indéfini, un peu traduit par a gente. A gente. A, c'est un article et gente, c'est le nom. Alors, comme en français, on peut remplacer agente par nós. Agente, on peut remplacer par nós. On peut remplacer par nous, c'est la même chose en portugais. Agente, on peut remplacer par nós. Je vous donne des exemples. On parle français, d'accord? On dit agente fala français. Agente fala français. Nous parlons français. Nós falamos francês. Voilà. Nós falamos francês. A gente fala francês. On parle français. Nós falamos francês. Nous parlons français. Voilà. On, c'est-à-dire a gente, parle. Voilà, c'est fala. Français, c'est français. C'est la même chose ici. Nós, c'est-à-dire nous. Falamos. Parlons français. Français. D'accord? D'autres exemples. On habite au Brésil. A gente mora no Brasil. A gente mora no Brasil. Nous habitons au Brésil. Nós moramos no Brasil. C'est la même chose. A gente, ça veut dire. On parle maintenant de la conjugaison, comme en français, on dit normalement on va, c'est pas en allant, d'accord? On va, nous allons. C'est la même chose en portugais, a gente. On garde toujours la terminaison de troisième personne du singulier, a gente vai, a gente vai. Nous allons, nós vamos. On va, a gente vai, nous allons, nós vamos. On parle, a gente fala, nous parlons, nós falamos. D'accord? Vous avez bien compris? Alors, on garde toujours la terminaison de troisième personne du singulier avec a gente. Mais normalement, au pluriel, nous conjuguons facilement par nós. Nós falamos. Nós vamos. C'est la même chose en français. Nous parlons. Nós falamos. Nous allons. Nós vamos. Mais on va. A gente vai. On parle. A gente fala. Alors, on termine la vidéo par la différence entre a gente un seul mot ou a gente deux mots à un article et gente deux noms. A gente veut dire agent, personne, entité qui agit. A gente veut dire tout simplement. En les gens, agente, agent ou personne, entité qui agit, agente secrétaire, l'agent secret. Agente, c'est en. Ce sont des gens. Agente gosta de ces films. Agente gosta de ces films. On aime ce film. On n'aime pas ce film. Agente não gosta de ces films. Alors, lorsqu'un seul mot veut dire un agent, une personne, une entité qui agit. Lorsqu'il s'agit de deux mots, comme ça, A et GNG, veut dire en ou les gens. Voilà. C'est tout pour le moment. Alors, c'est fini pour le moment. Bienvenue au Brésil. Et je parle portugais du Brésil dès le premier. Assez proxima. Thank you very much. نحن نتحدث بالفرنسية. نقول agente fala francês. كذلك نوش فالاموش فرنسي. إذن هناك طريقتين للقول نحن نتحدث بالفرنسية أجينتي فالا فرنسي وكذلك نوش فالاموش فرنسي.